face à la piste, Mike Docking, le super champion. Un coureur qui demeure depuis 6 ans invaincu, sauf pour raison de panne mécanique. L'homme qui monte d'une épreuve à l'autre les records de vitesse sur 2 roues. Bref, le roi, Mike Elwood. Mike, comment avez-vous été mordu par la moto? When did it all started? Mon père avait un magasin de motos. J'ai beaucoup d'intérêt pour beaucoup d'hommes. À quel âge? Depuis 7 ans, j'ai fait les motos dans le jardin chez moi. Et puis, 16 ans, j'ai commencé sur la route. Et à 17 ans, j'ai commencé la course. Est-ce que vous vous astreignez à une discipline d'entraînement sévère? Non, pas beaucoup, non. Quand je suis plus jeune, oui. Vous avez quel âge? Hein? Vous avez quel âge? Maintenant, 26. Mais quand j'ai commencé la course, j'ai fait beaucoup d'entraînement personnel. Mais quoi, de la gymnastique, oui, et de l'éducation, oui, tout ça. Physique? Oui, oui, tout ça. Mais maintenant, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Michael Wood ne s'entraînera pas, il le dit, tant qu'il n'en sentira pas la nécessité. Et on le sait, depuis 6 ans, il est toujours le premier. Si l'on a pu ici, sur le célèbre circuit de Silverstone, étudier d'un peu plus près sa technique au long de quelques tours, c'est tout simplement pour vous faire plaisir. Mike n'a nul besoin d'éprouver hors compétition sa dextérité et son sens de l'équilibre. Il ne repère pas le point du virage où il amorcera sa courbe. Il suffit d'y aller et de sentir ce qu'il faut faire. C'est du moins ce qu'il répond quand on lui pose la question. Détail à l'intention des profanes, Mike est fils de millionnaire. Il aurait pu se contenter du criss-cross. Mike, pourquoi courez-vous? Pour faire de l'argent? Pour la gloire? Tous les deux, je crois. Je suis très paresseux et je n'aime pas beaucoup le travail. Alors, je fais la course parce qu'il y a argent suffisant. Et aussi la gloire. J'aime la gloire, naturellement. Quelle a été votre première grande victoire pour vous? Quand j'ai vaincu mon premier championnat du monde en 61, et aussi en 61, quand j'ai vaincu le 3 TT de Île-de-Mont, dont le 250, 125 et le 500. Pour être vainqueur à tout coup, on n'est pas pour autant obligatoirement un fou du guidon. La preuve. Est-ce qu'avant de participer à une course, vous avez un peu peur, non? Ah oui, naturellement, oui, je suis un peu nerveux. Vous êtes nerveux? Nerveux, oui. Mais ça, c'est naturel, non? Je crois que quand vous n'êtes pas nerveux, avant d'une course, vous allez trop vite et vous ne pensez pas possible tomber. Cela dit et même enregistré, Michael Wood connaît pourtant, comme les autres, la tension qui précède les départs, comme au dernier Grand Prix de France à Clermont-Ferrand. Mais s'il caresse sa mécanique, ce n'est pas superstition, mais confiance. Ainsi donc, sur le circuit de Charade, une fois de plus, tous les records vont tomber aux mains de Michael Wood et de son inséparable Jim Redman, ici en tête.
Pour Mike, c'est une victoire de plus. Après les Grands Prix d'Allemagne et d'Espagne, avant ceux de Hollande, de Belgique et de Berlin, en plus du Grand Prix de Berlin-Est, et des célèbres Titi, ces touristes trophées qui, pour un Britannique, priment tous les autres. Et il arriva à Elwood d'en prendre trois dans une même semaine. Le temps de le dire est sur le circuit de Charade, le numéro 2, Mike Elwood, a pris la tête une fois pour toutes. Sans un dérapage. Déraper, c'est l'abord, dit-il. Mais sans jamais ralentir jusqu'au drapeau de l'arrivée, tant en 350 qu'en 250 cm3. Ici, en 350 pourtant, la lutte était sévère pour la Honda au bruit caractéristique contre la 4 cylindres Benelli de Grosini et surtout la 3 cylindres d'Agostini qui devait longtemps le talonner. Le Grand Prix de France devait ajouter deux victoires au palmarès des Honda, 128 km 202, moyenne record des 250 cm3, contre 121 km 260 précédemment, tandis que les 350 cm3 passaient de 118,67 à 127,662 par la grâce de Elwood. Jusqu'où et pendant combien de temps Mike Elwood restera-t-il numéro 1? Il ne suffit pas de lui poser la question pour le savoir. Quand je suis 21, je pense beaucoup de finir la course parce que beaucoup de mes amis sont tués, blessés gravement. Alors je pense beaucoup pour finir. Mais après, je pense, pourquoi? Je suis très jeune et j'avais encore beaucoup de vie, de l'année. Et je suis trop paresseux pour le travail, alors c'est nécessaire de continuer la course. Pour un homme qui se dit volontiers paresseux, Mike Elwood apparaît débordant d'activité. Excellent conducteur d'automobile, il a fait un peu de compétition, mais cela ne l'amuse pas, dit-il. On ne sait jamais ce que les quatre roues veulent faire. Il est aussi bon pilote d'avion. Passionné de golf et de musique, il fait un peu de piano et vient d'acquérir un banjo pour passer l'hiver. Pour le reste, la joie de vivre, avec les copains et surtout son ami Redman, lequel possède à Londres le même appartement dans le même immeuble et la même Ferrari blanche, ainsi que les mêmes goûts en matière de samedi soir. Mais ceci est une autre histoire pour un autre cadre plus intime, nous ne vous la conterons pas. Pour nous, Mike Elwood, c'est seulement le plus grand champion de tous les temps.